Allez, bonjour les amis, bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les jours. Bonjour les gilets jaunes, bonjour le peuple, bonjour tout le monde, bonjour la France, bonjour tous les pays. Je suis ravi de vous retrouver. Donc, euh, je vous ai promis aujourd'hui donc de vous expliquer, de vous annoncer, de vous montrer mon parti politique pour les européennes avec ma liste aux européennes euh, et donc voilà quelques uns d'entre vous ont compris parce que je n'ai jamais varié euh, dans mes discours qu'au final il n'y a pas de parti il n'y a pas de liste euh, mon appel il est simple euh, je me suis présenté seul, sans aucun parti, vraiment tout seul, et ça m'a attiré que des dettes euh, aux législatives passées. Euh, J'avais donné pour consigne de voter Marine Le Pen aux deux tours dans l'espoir de déclencher une révolution. Euh, eh bien, vous avez cru Macron, maintenant vous n'en voulez plus. Euh, moi, entre-temps, ce qui m'intéresse, c'est que la, ré la révolution, elle a quand même démarré même si elle a été initiée par le système, c'est qu'aujourd'hui, euh, vous me connaissez, je vous connais, vous connaissez d'autres personnes, vous commencez à vous éveiller, et c'est vraiment, la victoire, elle est vraiment là. Euh, donc aujourd'hui, euh, il s'agit euh, de mettre en place, ce n'est que stratégie, hein, vous savez, il s'agit de mettre en place euh, une stratégie pour contrecarrer euh, donc les, les plans. Euh, apocalyptique du système et euh, la seule stratégie qui s'impose si on suit donc leur plan, euh, pas uniquement sur les couvertures des économistes, hein, leur plan sur tout ce qui ressort depuis plusieurs années, tout ce que on a pu consulter comme documents qui ont fuité, que ce soit l'Aurore Rouge, que ce soit plein de documents. Euh, toutes les informations, toutes les, euh, les recherches indiquent qu'il y a un événement majeur qui se prépare. Bon, d'après moi, je vous ai donné ma, euh, ma théorie, c'est que se prépare à nous faire croire à un, à un changement de civilisation, voire beaucoup plus loin que ça, à un changement de monde, et peut-être même encore plus loin que ça. Un changement de, de planète et peut-être même encore plus loin que ça euh, un changement de, de dimension avec tout ce qui s'ensuit de euh, jour du jugement euh, euh, paradis enfer etc euh, donc voilà là ce qui ce qui m'intéresse c'est que euh, bien entendu vous vaut mieux, que nous soyons maîtres de nos destins. C ça a toujours été ça, la, 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 meilleure, euh, la meilleure raison et la meilleure, euh, le meilleur guide. Ils veulent ne rien nous dévoiler, et bien ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, euh, nous devons faire échouer leur plan, ou alors... Euh, ils nous mettent au parfum et quand même euh, on est on peut on peut euh, même pas décider mais on peut euh, se préparer se préparer euh, psychologiquement se préparer sur tous les plans euh, voilà euh, alors ma décision elle est elle est simple euh, je vais vous la donner dans quelques secondes, mais vous la connaissez déjà. Euh, donc là, je vais revenir très très rapidement. Euh, je ne vais pas tout analyser à nouveau. Juste deux ou trois cartes. Donc voilà euh, le monde avant. Euh, suivant ce que l'Empire romain, mais pas uniquement avait fait croire au peuple euh, ce, qui, ce qui explique aussi que plein de livres plein de, de plein de récits nous parlent de terre plate ça concorde voilà voilà voici le monde quand il a transité comment il est devenu, voilà, nous sommes toujours sous la coupe des mêmes, mais euh, notre territoire connu s'est agrandi. Ensuite, euh, je vous rappelle, on va revenir à la couverture que nous sommes en train de vivre. Donc je vous rappelle que nous sommes en train de vivre cette couverture. Je vous rappelle que j'ai dû inverser la couverture pour qu'on puisse trouver l'ordre. Voilà. Donc là, l'ordre est bon. Parce que nous sommes à la première carte. Ici. Donc avec les gilets jaunes. Je vous ai déjà décodé la signification. Euh, des, des, euh, des inscriptions sur les drapeaux. Il y en a deux. C'est l'un euh, l'accord transatlantique avec l'Europe et l'autre l'accord transatlantique avec euh, une partie de l'Asie. Donc, euh, ensuite, euh, je ne vais pas revenir sur la Maison Dieu. Euh, sur Trump, ici les croyances, les religions, les, euh, les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie. Euh, juste vous faire remarquer que... Euh, bah on va le dire après. Alors, on va s'intéresser... On va s'intéresser donc là où nous sommes je vous avais montré donc euh, l'analyse de euh, notre ami qui fait un bon boulot euh, édition fractale qui avait donc euh, inversé enfin, incliné sans, invers, sans inversion euh, cette partie de la planète avec euh, ce tonnerre et il avait imaginé que c'était parti, euh, pardon, c'était Paris, et il en était arrivé à la conclusion que c'était une basilique qui, qui, qui pourrait être visée. Euh, voilà. Là, quand j'ai inversé la couverture, euh, on se rend compte que il s'agit pas de Paris, mais Il ne s'agit pas de Paris. Alors comment j'y suis arrivé euh... Alors je ne sais plus la méthode mais en tout cas il faut incliner pour trouver euh, de quoi il s'agit. Et là on peut distinguer aisément, même très aisément, une partie du monde. Donc ici avec l'éclair ils ont caché le restant de la botte de l'Arabie. Euh l'Arabie saoudite, donc là c'est le Moyen-Orient, et ici c'est, euh, bon, ben vous reconnaissez euh, la Chine, et euh, donc on ne voit pas la Russie, donc la Chine, ici il y a l'Iran, tout ce qui est Afghanistan, ici vous avez le Yémen, c'est la botte avec l'Arabie saoudite, et ici, vous avez la région qui les intéresse, c'est-à-dire Égypte, euh, Jérusalem, euh, Israël, Palestine, euh, Syrie aussi, parce qu'on voit que il y, a, il y a la Turquie qui a été amputée, mais la Syrie est ici. Donc voilà, c'est cette partie du monde qui les intéresse. Euh, visiblement, ils vont beaucoup plus loin. Voilà. Ensuite... Euh, alors on revient à la couverture. Donc la couverture inversée. Euh, vous remarquez... Alors ici, il faut absolument qu'on évite cette carte. J'ai longuement parlé de cette carte euh, et vous remarquez que euh, il y a deux cartes inclinées. Cette carte et celle-là. Alors on peut imaginer que cette carte est inclinée, donc sur la, la maison Dieu qui brûle. On peut imaginer que Trump peut l'empêcher et Ici cette carte qui est inclinée donc sur les élections européennes. On peut imaginer que ces stars jaunes peuvent empêcher euh, cette carte-là. Ensuite, ici je maintiens que cette personne pourrait être Macron qui vit euh, dans une euh, réalité virtuelle, dans une bulle, hein, parce qu'il est désinformé. Il a été manipulé depuis euh, ses 15 ans et peut-être même avant. Et bon, bien bien entendu, vous avez compris qu'il est absolument nécessaire d'éviter la carte finale, Death, la mort, avec l'apocalypse la, totale. Donc, euh, cette carte-là, si vous voulez, euh, personne n'a réussi à mettre un lien avec les photos euh, qui sont dessus. Euh... Alors j'ai regardé j'ai regardé longuement et il y a quatre garçons et 10 euh, et filles différents âges euh, mais en général 4 garçons et euh, dix filles, 10 femmes. Alors on peut imaginer là bien entendu ça reste des spéculations. Hein. On peut imaginer que les quatre garçons sont les quatre archanges majeurs. On sait que les archanges majeurs sont extrêmement importants et on sait que si on compte euh, tous les archanges, les trois euh, religions euh, monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, euh, la chrétienté et l'islam, reconnaissent non seulement euh, presque les mêmes prophètes mais aussi presque les mêmes euh, archanges après suivant les religions il y en a plus ou moins en tout cas si on se réfère à la religion catholique les archanges il y en a quatre et il y, a, il y en a même un euh, entre guillemets qui est caché bon je vais pas m'attarder là dessus donc sur l'archange euh, Lucifer disons que là, nous avons quatre archanges. Euh, et alors, ensuite, si on, si on suit la logique de ce qu'on a fait sur cette carte-là, c'est-à-dire qu'on a incliné euh, ici, on, comme ça, on peut se demander pourquoi euh, ces étoiles sont suspendues dans le vide comme ça, euh, au-dessus euh, d'une planète morte. Euh, ça n'a pas de sens en revanche, quand on incline, ça peut prendre un sens. alors, voilà incliner ce que ça donne. incliner euh, ça peut donner donc le sens euh, d'un voyage. si on suit donc l'étoile filante, l'étoile filante, euh, encore une fois, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Euh, si on reste dans tout ce qui est euh, ange archange ça peut être euh, le retour de Jésus ça peut être beaucoup de choses ça peut être aussi euh, donc euh, le, le, le voyage, la navette et donc là on voit qu'elle se dirige vers le haut hein? elle se dirige vers le haut ici ça peut être euh, bah, une fois que... La planète a été euh, démolie, hein. ou une autre planète euh, qui est dans le champ de vision, pour nous montrer qu'on est bien dans l'espace, on nous a mis donc cette planète morte. Euh, donc voilà, c'est ce qui suit la logique d'un changement, comme je vous ai dit au début, un changement de monde, un changement, allez savoir, de planète. Et il est très très probable qu'ils veulent nous jouer un changement de dimension, bien entendu, au travers de, de tous les signes des fins des temps, le jour du jugement dernier et l'apocalypse. Voilà. Donc là, ils ont pris beaucoup de retard. Il s'agit bien entendu. Que ce soit vrai ou faux, parce qu'ils ont prouvé par le passé qu'ils pouvaient coder des éléments vrais. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous rappelle cette couverture effrayante qui est indécodable, sauf que bizarrement, il y a deux fléchettes avec des chiffres dessus. Ceci n'existe pas sur les autres couvertures avec deux fléchettes, avec des chiffres et des points. Et donc cette couverture de 2015, je vous rappelle que ça sort un an avant, donc euh, elle est sortie en 2014, et personne n'a trouvé aucune signification, même tout le monde a regardé ça comme ça, sauf que euh, si on replace les chiffres, ça fait, euh, on peut trouver le 13 novembre 2015, 13, 11, 15, euh, ce qui correspond à un, à un événement tragique que nous avons vécu. C'est l'attentat du Bataclan, donc à Paris. Et euh, si jamais on avait, euh, je ne sais pas, leur, leur code, hein, savoir celui qui a dessiné ça pour qu'il euh, nous, il nous explique à temps euh, comment il a codé ça, bah on aurait découvert que en suivant ce tableau qui est exposé donc au Louvre, je ne sais pas s'il est encore, mais il était exposé au Louvre on aurait trouvé euh, donc la, la ville en question c'est-à-dire Paris. Donc là il s'agit encore une fois, ils ont prouvé que ce qu'ils codaient ça, ça arrivait, euh, il s'agit dans tous les cas d'essayer euh, de les empêcher. Que ce soit du vrai, du faux, peu importe, ils ont déjà prouvé qu'ils euh, étaient capables de tout. Aujourd'hui, la maîtrise technologique, leur maîtrise technologique sur tout ce qui est événement climatologique est effrayante. Regardez ce qu'ils peuvent faire avec ARP et même ça va au-delà. Les chemtrails, c'était peut-être des essais pendant toutes ces années euh, parce que, ensuite, en balançant des chemtrails, en, en, en les alimentant avec beaucoup d'énergie, peut-être même. En redirigeant l'énergie solaire aller savoir ce qui se passe dans leur tête euh, ils peuvent euh, soit euh, créer des événements apocalyptiques climatiques euh, majeurs soit faire apparaître euh, des hologrammes parce que encore une fois la technologie militaire des hologrammes est extrêmement avancée euh, la technologie militaire de création de est extrêmement avancé. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Euh, il y a des armes de, dont nous ne soupçonnons même pas l'existence, comme les armes euh, à énergie dirigée. Hein, les, les, les ondes ne sont pas uniquement votre petit four euh, à micro-ondes chez vous. Hein, on peut faire. Euh, il y a de multiples ondes. Euh, les ondes radio, les ondes Wi-Fi, les ondes Bluetooth, mais pas que. Ce, ces ondes-là euh, sont des ondes civiles. Alors, nous n'avons aucune idée euh, d'où là où ils sont arrivés concernant les ondes militaires. Alors, donc euh, revenons à la couverture 2017 que nous vivons incliné donc euh, comme on a dit nous et peut-être trump peut agir et euh, ici on peut se dire que les étoiles jaunes c'est nous alors nous aussi nous pouvons agir euh, sur nos élections européennes euh, cette carte nous pouvons la maîtriser beaucoup d'autres cartes euh, ici on l'a presque récupéré cette carte on l'a on a réussi à retourner euh, donc le, le, les plans du système à notre en notre faveur aujourd'hui euh, alors ici nous n'avons pas la main ici non plus ici il faudrait que ça arrive pour voir si on peut faire quelque chose euh, et donc ici on a la main c'est sûr et certain. Si, euh, si le peuple il a la main quelque part, c'est heureusement sur les élections. Alors ici on a la main. Euh, donc vous reconnaissez Merkel, Marine Le Pen. Ici euh, c'est un candidat d'extrême droite aux Pays-Bas euh, que je vais vous montrer. Alors. Hop, hop, hop. Alors voilà, c'est... Pour moi, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Euh, la ressemblance est très très forte. Pour moi, c'est ce candidat-là. Euh, alors... Alors, regardez. Sa chevelure, son menton. Pour moi, c'est lui. Euh... Alors, qui est cet homme C'est Geert euh, ou Girt Wilders. Donc, euh, déjà, il s'est présenté pour les élections euh, présidentielles en 2017. Donc, vous voyez, euh, euh, ces cartes des économistes, toutes les, tout le monde les attendait pour les élections présidentielles 2017. Alors lui il n'a pas été élu, Marine Le Pen non plus, donc on constate qu'il s'agissait bien des élections européennes, et peut-être même aller savoir les élections municipales. Euh, donc déjà, lorsqu'il s'est présenté au présidentiel, il a promis de fermer toutes les frontières aux immigrants euh, musulmans. Et donc euh, le Premier ministre en a tiré euh, profit. Voilà. Donc revenons à la carte, il est hors de question euh, de laisser l'Europe, encore une fois avec les signes actuels, dans les mains euh, de deux nationalistes, c'est même pas des nationalistes, moi je suis nationaliste, je suis patriote, je suis humain. Mais euh, ces gens-là, Marine Le Pen, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les national-sionistes. Donc les deux, euh, pour faire une contraction, on peut dire nationistes. Les deux nationistes, euh, si on leur laisse l'Europe avec la fausse euh, humanitaire euh, Merkel, l'esclavagiste Merkel, la, la gauche ou, ben, je ne sais pas, les, les mots me manquent la manipulatrice euh, la fausse euh, la fausse bienveillante l'esclavagiste de masse euh, merkel si on laisse la, combina la combinaison des trois plus bien entendu d'autres c'est sûr que l'apocalypse nous la créons de nos propres mains euh, aidée bien entendu par euh, tous ceux qui sont derrière Vie économiste, euh, avec aidé par Trump qui veut précipiter les choses en actionnant euh, le plan des de, 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 de dominos qui, qui, qui se percutent les uns les autres en reconnaissant Jérusalem comme capitale euh, d'Israël. Effectivement, ça, ça, ça ne peut qu'amener. Des tensions, et là nous voyons qu'il y a des pays qui reconnaissent, d'autres qui ne veulent pas, et puis ça change, il y en a qui ont reconnu, puis ils sont revenus en arrière. Donc il est hors de question de rentrer dans leur jeu, euh, et de se faire comme d'habitude manipuler, euh, et euh, provoquer, se laisser entraîner dans des conflits, euh, suite à de, des attentats ou des événements sous faux drapeaux. On, a, on est assez vacciné. On a vu que la première guerre mondiale euh, était suite à un attentat sous faux drapeau. On a vu que plein d'autres événements majeurs. Il est hors de question euh, de se laisser entraîner. Euh, nous voyons aussi qu'il y a plein d'orchestrations avec les faux gilets jaunes du système. Euh, la meilleure desquelles, ce faux borgne, euh, je ne sais pas s'il s'appelle vraiment Jérôme Rodrigue, parce qu'on trouve beaucoup de Jérôme Rodrigue et beaucoup de vies euh, différentes euh, donc là il est clair que le système joue la carte euh, plusieurs cartes en même temps, la carte du ra, on va dire du rationnel et la carte du religieux donc là on joue avec les anges les archanges là on met donc euh, une posture avec le bâton une posture euh, prophétique euh, on joue aussi avec euh, les faux Christes et avec l'Antéchrist qui, qui peut être symbolisé par euh, Jérôme Rodrigue, euh, je veux dire dans les autres religions c'est le même c'est les mêmes prophéties hein. ça, ça vient le jour de la de, de la fin des temps alors ça s'appelle Antéchrist euh, dans, en Occident ça s'appelle Dégel pour les musulmans mais euh, les trois religions de toute façon donnent les mêmes prophéties les mêmes signes voilà. Voilà, ceci étant dit, je l'ai dit, je pense que vous l'avez compris, la meilleure stratégie, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux, euh, c'est de voter massivement pour Macron, dans l'espoir... Qu'avec tout ce que nous avons amené et que à force, parce que même si lui il veut pas se réveiller, je pense quand même que l'armée, l'état-major, quand même les services, quand même euh, sont un petit peu réveillés. En tout cas ceux qui ont déclenché tout ce scandale Benalla, ils sont très éveillés. Euh, donc voilà, il faut garder espoir de ce côté-là. Il ne faut pas tout de suite euh, sortir les les, euh, les pioches et aller faire euh, Recommencer encore la même chose que, qui a été faite plein de fois et qui n'a amené que des astres, que ce soit couper la tête du roi ou, ou faire quelques euh, renversements d'état que ce soit. Euh, le signe positif, il faut l'avouer, mes chers amis, je n'arrête pas de vous le dire, vous le voyez, vous levez la tête au ciel, je vais vous montrer euh, quelques vidéos. Donc de ce que je vous ai pas montré des jours précédents, des chemtrails qui ont disparu. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui me disent ah oui, moi j'ai vu, il y avait deux traits chez moi. Non, les amis. Euh, voilà ce que c'était euh, du temps des, des chemtrails. Euh, Peut-être vous ne vous y êtes jamais intéressé. Je vous fais un petit rappel avec une photo que j'avais prise euh, tout récemment. Alors il faudrait que je la retrouve. Alors, je vais voir si je l'ai pas là. Alors, attendez, je, je vais la transférer. Je l'ai sur mon portable. Voilà. Hop. Regardez, c'est des photos que j'avais personnellement prises donc le jour de l'acte 14, donc il n'y a pas si loin. Le jour de l'acte 14, j'ai pris ça de ma voiture. Donc, en allant euh, sur Paris. Euh, et j'avais appelé ça euh, Acte 14 Under Attack. Alors, je précise que c'est pas la peine euh, de vouloir me verbaliser. Euh, on va dire que je ne conduisais pas. Voilà. On va dire que j'étais le passager. On va faire mieux. Donc, regardez. C'est des. C'est des cieux comme ça, sous lesquels vous avez vécu et euh, qui ne vous ont jamais interpellé. Alors là, je ne parle pas aux plus éveillés d'entre nous. Hein. C'est-à-dire que leur but, entre autres, il hein, n'y avait pas que ça, il y avait des, beaucoup d'essais, beaucoup de choses, et aussi masquer euh, au maximum le soleil. Regardez, à force, on diminuait, euh, on avait beaucoup moins de lumino luminosité. C'était un massacre tous les jours. Tous les jours, c'était comme ça. Alors là, il y avait 50 millions d'avions qui passaient comme ça euh, sur des régions. Franchement, il n'y a pas de trafic aérien, normalement. Aujourd'hui, euh, vous levez la, la tête au ciel depuis des jours. Euh, bizarrement, les avions ont disparu. Alors je vais vous montrer, donc euh, je vous ai montré plein de vidéos des jours précédents. Hier j'ai fait un live pour vous en, vous en montrer. Là je vais vous montrer très rapidement euh, les vidéos que j'ai enregistrées les jours où je vous ai pas montré. Donc là le 30 mars. Et ici et ici et ici ici assis assis c'est bien allez on y va on y va non non on reste ici Magnifique ciel les amis. Je vous la montre ce soir. Ciel impeccable. Euh... Ensuite, le 31 mars. Alors, les amis, nous sommes dimanche 31 mars 2019 alors vous voyez le ciel est couvert mais en revanche il n'y a pas de très alors regardez ici ce côté là le ciel n'est pas couvert totalement on voit au loin qu'il est chargé un petit peu c'est normal il va y avoir des pluies dans la semaine. On arrive à bien distinguer les nuages. Bien distinguer le soleil. Il n'y a pas de marquage devant le soleil. C'est bien un soleil et centré. Voilà mes chers amis pour le cinquième jour consécutif de crème trails notable Ah, viens ici. ah si. bien ici assis c'est bien c'est bien vous avez dû remarquer que je fume encore mais j'ai bientôt fini le sevrage donc des psychotropes qui qu m'avait mis euh, pas de chemtrails donc je disais cinquième jour depuis qu'on sait pas qu'on s'est pas vu que je vous ai pas remontré des vidéos euh, ensuite euh, euh, 1er avril magnifique soleil rien devant Ciel chargé, mais sans qu'un trait flagrant. Et ici? Assis. Ah, C'est bien. Allez, on y va. Temps magnifique. Ensuite, le 2 avril. Voilà, mes amis. Nous sommes le 2 avril 2019. Et. Toujours un ciel merveilleux sans chemtrails. Ça, ce n'est pas le hasard. Jamais vu quelque chose de pareil sur une durée aussi longue. Magnifique. ici Assis, ah, c'est bien. Pas de chemtrails. Ensuite, euh, hier je vous ai fait un live du terrain, donc euh, là il faut regarder ce live là. Je l'ai fait sur le terrain. Je, il y avait un beau cimetière bien fleuri. Et donc je vous montre aujourd'hui, aujourd'hui le 4 avril. Donc voilà, mes chers amis, c'est dix jours avec un ciel sans chemtrails. C'est jamais arrivé, en tout cas depuis que j'observe le ciel euh, en France, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Donc ceci est extrêmement encourageant. Je veux dire, aucun dissident, aucune personne qui se dit chercheur de vérité ou euh, Personne éveillée, éveilleuse des autres, ne peut contester que c'est exceptionnel, que c'est positif, et que c'est encourageant. Donc moi, ma stratégie, et je vous appelle à en faire de même, c'est de miser sur la continuité, euh, donc des, des, des changements, des changements, on va dire, en douceur, sans conflit euh, déjà interne, sans guerre civile il faut pas rentrer dans le jeu des faux gilets jaunes parce que ils font partie de la mise en scène c'est de monter le peuple contre macron macron qui va se faire défendre par les forces de l'ordre et s'il le faut par des armées étrangères parce que c'est ce que prévoit la constitution de plus avec les nouveaux partenariats avec l'allemagne que ce soit le traité d'aix euh, la chapelle et d'autres partenariats avec d'autres pays nous aurions tout de suite des armées étrangères ce qui ce qui serait la, la pire le pire scénario pour nous donc euh, il faut être très stratège il faut être très très fin et la meilleure des solutions c'est de ne pas courir euh, se jeter dans le le, le le scénario qui nous a été établi donc euh, on va parier sur le fait que Macron, de gré ou de force, finira par se réveiller et se rendre compte que ceux qui lui ont mis en tête je ne sais quelle euh, manipulation, fausse, euh, fausse religion ou fausse croyance euh, quand il fait ses pyramides comme ça, lui, et il n'est pas le seul, Hidalgo, plein d'autres, Merkel, Merkel, ça recommence pour le pauvre, le pauvre peuple euh, allemand, ça recommence encore et encore. Merkel est en train de planer, comme avant, Hitler a beaucoup plané. Ils lui ont fait croire qu'à chaque fois, il avait une super bonne étoile parce que monsieur arrivait à éviter des attentats qui lui étaient destinés. Il avait la bonne intuition au bon moment, alors lui, il partait et tous les autres explosaient. Et là, il l'a rendu fou parce qu'il s'est dit putain, je suis invincible, je passe au travers de tout. C'est la même, c'est la même qui recommence là. Donc Macron, réveille-toi. Ceux qui sont autour de lui, réveillez-le. Ils sont, tu es piloté. D'ailleurs, vous-même, hein, mes chers amis, hein, commencez à regarder le monde autrement. Reprenez depuis, depuis toujours. Le cours de votre histoire, vous verrez que le hasard n'existe pas, en tout cas pas dans des proportions que nous vivons, au, à laquelle, euh, nous avons été habitués à vivre. Le hasard, il n'est pas de cette intensité-là. Euh, on est tout le temps envoyé dans des euh, dans des voies déjà programmées, déjà choisies, nous sommes en quelque sorte pilotés par la manipulation. Donc il faut faire un travail spirituel, de conscientisation, beaucoup de travail, pour arriver à, on va dire, acquérir son indépendance par rapport euh, euh, au pilotage, <laughs> au pilotage de, du système ou de la matrice, appelez-le comme vous voulez. Euh, mais il est important que nos dirigeants soient de, 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 de ce niveau-là et qu'ils arrivent à, à s'affranchir euh, de, de, de ce contrôle, de cette manipulation gigantesque. Et c'est pas facile parce que eux, ils sont enfermés dans de, des, des, des cercles successifs de manipulateurs, manipulés eux-mêmes. Euh, je vois mal. Un dirigeant de lui même regardez vous de vous même vous ne pouvez pas ouvrir les yeux vous êtes tellement entraîné dans le métro boulot dodo et vous êtes enfermé dans une bulle par les médias partout par vos voisins vos amis votre famille qui dès que vous commencez un peu à douter ou à évoquer euh, d'autres théories tout le monde se met à marrer à se marrer pardon ils se mettent à s'inquiéter pour vous douter de votre de votre euh, raisonnement et et commence à vous conseiller d'aller voir un psychiatre. Alors imaginez un président qui doit euh, arriver à contrer euh, et à convaincre euh, des centaines de personnes pour arriver, pour je vais dire, euh, approcher, approcher de la, de la vérité ou, ou approcher des, des gens comme, comme votre serviteur. Un dissident, je ne suis pas le seul, un dissident qui ne demande rien en fait, hein, qui veut juste que qu'on qu soit tous euh, sauvés. C'est, euh, je, je n'ai jamais euh, gagné un euro avec ce que je fais. D'ailleurs là, ça peut plus durer, hein, mais j'estime avoir accompli ma mission. je me suis battu pour éveiller, éveiller sur les faux gilets jaunes, éveiller sur les faux attentats. Éveiller sur les fausses revendications, éveiller sur plein d'autres sujets, donner les vraies revendications, détailler les vrais problèmes. Donc moi, j'estime, je suis vraiment en paix, je suis très serein, j'estime avoir accompli ma mission. Euh, alors, je répète, c'est purement stratégique, les amis. Donc, ceux qui aiment d'autres personnes, c'est le système, vous perdez votre temps. Que ce soit Assolino, Mélenchon, enfin, peu importe les noms du Panthénon, euh, je vous assure que c'est pire. Et c'est le système, vous perdez votre temps. Alors plutôt que de tomber dans le panneau comme à chaque fois, de disperser les voix pour un Assolino qui va peut-être gratter 7%, ce qui ne servira absolument à rien, euh, ou d'autres personnes, Soyez stratège et montrez que vous avez pris conscience, que vous avez compris qu'il faut mettre une hiérarchie dans la vie. Quand j'ai appelé à voter Le Pen, j'ai pas appelé au deuxième tour, c'était dès le premier tour pour éviter des scénarios où jamais personne n'ouvrira les yeux du type, je sais pas moi, Macron, le manipulateur, contre un autre manipulateur, personne n'aurait jamais rien vu. Là, ce scénario-là où il s'est retrouvé Macron, Marine Le Pen, où elle, le système lui a donné la carte de dévoiler un, un petit peu quelques complots de Macron, etc. Et que là, aujourd'hui, euh, forcément, tout le monde revient à ce fameux débat. Et elle avait dit ce que nous, la dissidence, disons avant elle, hein, qu'elle avait dit que Macron a aidé Patrick Drahi, qu'il a vendu d'autres bijoux de famille. Donc forcément, aujourd'hui, c'est mécanique. Euh, vous allez vous dire ah mais merde mais elle avait tout dit donc c'est elle euh, notre sauveuse mais non piège 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 surtout pas donc la seule stratégie viable valable la seule l'unique c'est tout de suite Macron la mort dans l'âme et c'est même pas je vais pas voter ou, ou je m'abstiens ou je vais mettre il faut aller voter. Ça, les gens qui ne savent pas choisir ou qui n'osent pas ou qui se sentent pas concernés, franchement, il n'y a que les enfants, et puis je sais pas moi, les, 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 les incapables, les irresponsables. Vous n'êtes pas comme ça. Je pense que vous êtes quand même des gens responsables, que vous avez compris. Hein. Euh, imaginez euh, quelqu'un qui est sur un, un terrain de guerre, un soldat ou je ne sais pas, un gradé qui euh, suivant l'émission il y en a qui va pas faire il va dire non non celle là écoute moi je suis malade je vais pas et puis l'autre non euh, écoute j'ai pas envie mais par contre celle d'après je, je l'aime bien celle- là je vais y aller non il faut il va falloir y aller Il hein. va falloir y aller soit montrez-vous résistant faites-le pour la résistance pour résister contre les manipulateurs et contre les machines c'est notre révolte des esclaves, toutes les stratégies comportent que ce soit des sacrifices ou que ce soit des, euh, des retraits. Hein, des reculades, des retraits. On dit reculer pour mieux sauter. D'accord Donc là, il s'agit juste de faire un petit retrait pour éviter une carte catastrophique. Et ensuite, euh, ça ne va pas s'arrêter. Hein. Euh, je me suis présenté aux législatives. Je compte, si jamais les choses ne changent pas et qu'on ne voit pas Macron commencer à lancer les arrestations massives. Déjà là, c'est encourageant de voir enfin Tapi qui va être enfermé à nouveau. Tapi va entraîner dans sa chute normalement. On va le voir dans les jours qui viennent. Un certain Sarkozy, il va falloir qu'il soit enfermé. Hein, ce ce gars-là, on voit que les histoires de pédophilie commencent à sortir. On a vu ce candidat que tout le monde a fait passer pour Einstein. Euh, ce faux Einstein hein, parce que les jeux, télé, les jeux télé sont manipulés aussi. Quesada, euh, il me semble Christian Quesada qui est tombé pour pédophilie. Sachez que dans les images et les, les photos euh, pédopornographiques, il y avait des enfants de moins de 10 ans. Moins de dix ans, hein, c'est pas euh, ce que vous des fois vous dites. Oh, Peut-être 14 ans, mais quand même 14... Non, non, c'est moins de 10 ans. Moins de 10 ans. Des centaines, peut-être même plus, de photos hein, qu'il envoyait à d'autres. Donc, euh, hey, on peut qu'applaudir de voir des arrestations pareilles. D'accord Donc, ça va. Il faut, faut être vraiment aveugle pour ne pas voir qu'il y a du changement. Il y a des signes. On rajoute à ça les chemtrails il y a quand même de, de bons espoirs donc il faut capitaliser, capitaliser là-dessus il faut parier hein, il faut parier sur la bonté qui est en chacun d'entre nous et qui pourrait être en macron cette lumière qui pourrait l'inonder et faire de lui comme ça notre sauveur et qui lance les arrestations massives contre ceux qui ont joué avec lui mais aussi contre tous ceux connus, qui sont en liberté, qu'il faudrait arrêter tout de suite, et euh, bien entendu les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, contre tous les juges qui ont donné des jugements tronqués, je suis la première victime comme vous, euh, mais les sujets sont vastes tous, les pédocriminels qui ne sont pas inquiétés, euh, il va falloir euh, qu'ils qu arrêtent ce jeu-là de euh, « j'enlève une taxe, j'en mets une autre », le principe du système, de toute façon, c'est que personne n'arrive jamais à s'enrichir. Donc, arrêtez de se jouer leur jeu économique ou c'est des disputes de taxes et de formules économiques. Vous gagnerez jamais. C'est le revenu universel qu'il faudra mettre en place. C'est la seule chose pour tordre le bras du capitalisme, pour inverser les forces. C'est la seule chose. Bon puis il y a une, une longue liste de, de revendications, les amis. Il faut arrêter tout de suite les guerres parce que c'est les guerres qui amènent l'immigration. L'immigration n'est pas bonne ni pour l'immigré, ni pour nous. Elle n'est pas bonne elle est pour personne. Donc il faut absolument arrêter les guerres. Il faut euh, arrêter d'emmerder les pays en déstabilisant leurs élites et leurs élections. Il, faut, voilà, il, y, a, il y a beaucoup de choses à faire. La liste, vous la trouvez en bas de mes publications et elle peut être enrichie. Si jamais j'avais le moindre apparition dans n'importe quel merdia, euh, je vous assure, je vous le promets, euh, vous savez que je le ferai. J'exigerai avant même de dire le premier mot, de lire cette liste à chaque fois. Je le ferai systématiquement, comme ça il n'y aura pas d'entourloupe. Je dirai les mots tabous, la franc-maçonnerie, tout ça, je le dirai. La liste que vous voyez en bas de ma pub... mes publications, eh bien, sur chaque plateau télé, si jamais un jour je suis invité, avant même de dire n'importe quoi, ça sera ma condition, sinon je n'irai pas. Eh ben, je lirai cette liste à voix haute et ça sera répété à chaque fois. Euh, donc voilà, nous, il s'agit d'une stratégie de sauvegarde, d'un instinct de survie. Il faut voter massivement, à contre coeur certes, mais ne pas euh, y échapper, ne pas Fuir, hein, ne pas s'abstenir, il faut, il faut le faire mes chers amis. Faites-moi confiance, vous m'avez fait confiance sur d'autres plans, je ne vous ai jamais trahi. J'ai été l'un des premiers, si ce n'est le seul, à vous montrer, à vous dire que tous les gilets jaunes médiatisés, c'est des charlatans. Là, j'ai arrêté d'analyser parce que ça devient gros et puis ça ne sert plus à rien. Soit de toute façon, soit vous ouvrez les yeux, soit ça ne sert à rien. Euh, voilà. Euh, donc c'est l'instinct de survie. Il faut aller voter à contre-coeur, mais massivement, pour euh, le foutu parti de Macron, euh, La République en marche, qui est, en, comme je l'ai mis sur mon groupe, c'est La République en panne. Mais il s'agit de stratégie. Il va falloir que vous compreniez ce que ça veut dire, le mot stratégie dans la vie. Euh, voilà. Euh, pour ma part, euh, je crois que je vais tenter quelque chose donc pour gagner de l'argent. J'ai eu euh, une idée. Euh, alors, je précise que je n'utiliserai pas mes comptes existants euh, pour gagner de l'argent, c'est-à-dire mon YouTube. Parce que vu que YouTube paye les vues, euh, je, je n'en tirerai pas profit et je le rendrai pas. Avec des publicités donc pour tirer des revenus je, il faut séparer vraiment la spiritualité et le business euh, donc je vais créer d'autres comptes euh, consacrés à plein d'idées j'ai plein d'idées hein, j'ai plein d'idées en attendant les municipales j'ai plein d'idées entre autres c'est je vois que il bon, bah, a beaucoup de gens il n'y a qu'à mettre certaines chaînes télé, regardez toutes les pubs qu'il y a dans tous les magazines. Vous êtes beaucoup, ça peut se comprendre, à appeler les services d'astrologie, de, de médium, de voyance, pour demander conseil euh, sur des événements majeurs dans votre vie. Bon, je ferai des recherches comme j'ai fait pour décoder plein d'éléments, et je pourrais vous conseiller. Donc je, je réfléchis à une formule comme ça euh, en live pour celle ou celui qui euh, voudra exposer un petit peu sa vie. Hein, ça permettra bon, bah, de suivre un peu euh, et pour les autres ça sera par téléphone avec des entretiens. D'ailleurs moi je le fais actuellement hein, je le fais déjà mais bon bah, je n'ai jamais demandé aucune euh, rétribution là il s'agit de survivre. Pour moi, il s'agit de pouvoir me loger, de pouvoir manger, continuer à, à, à rester debout pour mes enfants un jour. J'espère les récupérer. Donc euh, voilà, je sépare ce que je vais faire prochainement totalement de ce que nous faisons ici euh, et de ces comptes-là. D'accord euh, Donc ça sera sur d'autres comptes. Effectivement, j'en ferai... Euh, euh, comment dire je ferai des publications en liaison sur mon compte, mais je ne gagnerai pas d'argent avec mon YouTube actuel et mes comptes actuels. Je créerai d'autres comptes. Euh, euh, voilà, et puis après, le prix, je n'en ai aucune idée. Disons tout simplement que ça sera comme le marché l'exige vu que actuellement je suis mon seul euh, employé euh, j'ai toujours été seul hein, toujours j'ai alors vous m'envoyez vos liens il y a des personnes d'entre vous euh, qui me demandent est-ce que tu veux que je fasse une recherche pour toi et elles m'aide beaucoup ces personnes mais le travail que je, vous me voyez vous fournir je l'ai toujours fait seul d'ailleurs pour finir euh, je m'arrête sur le mot seul parce que les mots, oui, les, les, les mots, la numérologie, les images, tout a un sens dans la vie. Hein. Il suffit d'un certain moment de vous éveiller assez, de vous élever spirituellement pour le percevoir et vous verrez, c'est génial. Il n'y a pas d'erreur, hein. tout est parfait. La matrice, elle est juste, euh, exacte, parfaite. Donc, le mot seul qui me correspond, je trouve, ça me correspond, dans le, le S de Sagittaire, E, hein, EU de Union Européenne, pour rester avec l'actualité, et le L, euh, alors Sagittaire c'est ma partie euh, masculine, et, euh, et le L c'est ma partie euh, féminine, L. Bon, euh, mis à part ça, euh, donc. Euh, pour la rétribution je ferai comme, comme font tous les mécanismes de marché c'est à dire si, si j'arrive comment dire si je ne suis pas si je croule pas sous le travail et sous, sous les demandes eh bien ça sera un tarif très bas mais si jamais, euh, et je l'espère, ça, ça, ça me permettra ensuite d'embaucher, mais si jamais euh, j'avais beaucoup de demandes, forcément, je ne peux pas me dédoubler ni me, euh, me multiplier en, en 10. Euh, je ferai, donc je montrerai les tarifs, plus il y aura du monde et plus je montrerai, dans l'espoir de pouvoir... Une équipe et donc d'avancer, d'agrandir, et, et que cela serve par le même temps pour la suite politique. Si jamais le miracle Macron ne se, se produit pas, il est évident euh, que les analyses et le combat politique avec, il y aura, si jamais rien qui change, il y aura tôt ou tard création de partis. Maintenant, un parti politique pour aller aux municipales et vu que maintenant je connais beaucoup d'entre vous et que je connaît, continuerai à connaître, je l'espère beaucoup d'entre vous, eh bien nous pouvons très rapidement, très facilement mailler la France pour les municipales et ensuite pour les régionales et ensuite euh, bah, ça sera à la présidentielle, hein, vous le savez très bien. Donc si jamais euh, par miracle tout s'arrange, bah, on va s'arrêter là. Hein, je vais dire, qu'est-ce qu'on demande de plus Moi et vous, on règle tous les problèmes qu'on a cités. On me rend mes enfants. Je vais faire mes voyances et tout le monde sera content. Euh, voilà, je, je crois que j'ai tout dit. Euh, alors, ça fait combien Ça fait une heure. Eh bien, mes chers amis, bah, je vais vous saluer extrêmement brièvement. Euh, alors, bonjour et bonne nuit. Hein. Je sais qu'il est tôt, mais euh, à euh, J. Olga, pardon, à Olga, Romu, Diloulou, Julien, euh, Audrey, Julien, je t'ai bloqué là parce que tu parles beaucoup, t'envoies beaucoup de liens et de copier-coller. C'est vraiment pas le but. Euh, Régine, euh, Séverine, bon tu dis super la propagande, alors je te salue pas. C'est que tu regardes quand le sage montre euh, la lune, il y a beaucoup pour rester gentil, euh, on va pas dire le mot, mais beaucoup de non éveillés qui veulent pas s'éveiller, qui regardent le doigt. Euh, Marie-Laure, je suis d'accord avec toi, je viens de le dire. Euh, Merkel est pire que Macron dans ses histoires de, de, de pyramides et de fausses croyances. Euh, donc euh, ensuite, euh, j'espère l'avoir bloqué, cette Séverine. Tony, qu'est-ce que tu dis toi Voilà, oui. Tony, ça va Bon. Très bien. Bonsoir, Tony, et bonne nuit. Ginette, oui, c'était YoYo, tu l'as reconnu. Magnifique temps, ben, j'espère que toi aussi. Euh, Asia, bonsoir et bonne nuit. Et tiens, Francis, le seul ce soir sur VK, bonsoir et bonne nuit. Chagat, euh, Chagat voilà, tu es la dernière que je vois. Très bien, eh bien tiens ici, je t'avais pas vu. Euh, toi Je t'avais pas bloqué. Le patrice. Voilà, je croyais t'avoir bloqué. Tiens, Mohamed, comment ça, ça fait que je t'ai pas vu Mohamed Kerchouche, bonsoir cher ami. Merci frérot. Alors, c'est comme je l'ai précisé. Hein, euh, je soutiendrai, euh, je l'ai dit mille fois, mais si ça ne change pas, comme je vous ai dit, euh, du côté de Macron, non seulement je roulerai, je roulerai, je créerai mon parti, comme je vous ai expliqué, etc. Et on ira euh, au municipal, au régional, euh, et à la présidentielle, j'irai à la présidentielle, il n'y a aucun problème. Si d'ici là. Il y aura assez euh, d'adhésion, de fonds, etc. J'irai, hein. il n'y a aucun problème, de toute façon, c'est, il n'y a pas autre chose à faire. Euh, mais en revanche, je soutiens euh, totalement et sans, sans faille mon frère euh, Eric Fioril et son comité national de transition. Ça, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je, je ne soutiendrai personne d'autre que euh, Eric Fioril, dans une première étape, on va parier sur Macron. Et si ça ne marche pas, si je vois que euh, Eric Fioril donc, euh, a fait le moindre appel euh, à la résistance, je le soutiendrai. Que me, Macron ou ceux qui me regardent du côté de Macron, sachez-le. Hein. Euh, ça doit se faire de toute façon. Hein. Il va falloir que ça bouge. Hein. Sachez-le. Moi je fais le parti politique donc moi je reste toujours dans tout ce qui est analyse, euh, décryptage, euh, présentation aux élections, etc. Et puis euh, il y a d'autres personnes qui et elles ont raison qui voient que de toute façon ça change jamais et qu'il faut euh, une résistance à la tyrannie, et une résistance, euh, résistance physique. Voilà, moi la seule personne que je vois de valide, hein, qui ne nous entraînera pas dans, dans pire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Eric Fioril. Euh, et donc Eric Fioril, hein, pas quelqu'un d'autre que je ne connais pas parce qu'il va se dire du Comité National de Transition. Je nomme la personne. Je nomme Eric Fioril. Point. Euh, D'autres personnes qui m'ont parlé donc... De certaines personnes pour l'Algérie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comme euh, Rachid Nekaz Il faudrait que je l'aie au téléphone, tout simplement. Moi, euh, je ne juge et je ne crois que ce que je vois. Donc, euh, voilà, cette personne, j'aimerais avoir un entretien avec elle, si elle peut me contacter. Euh, et ensuite, euh, je pourrais donner euh, mon avis. C'est. Je ne peux pas juger comme ça avec des interventions spectaculaires, un coup avec Morano. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'orchestration, alors tout est possible. Euh, voilà, Rachid Nekaz. Écoute, euh, si tu as rien euh, on va dire à, à craindre, contacte-moi. On pourra même faire un live. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, si, si vraiment, si tu es la personne que que tu présentes, c'est-à-dire sincère, animé uniquement euh, par le, 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 ton amour pour le peuple algérien et pour l'humanité, je, je te soutiendrai, il n'y a pas de souci, que ce soit en Algérie ou d'autres candidats ailleurs. Allez, mes amis, je vous souhaite une bonne nuit, à demain, on se retrouve demain.